Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hearthstone-deck.fr. Vous êtes avec P1 et aujourd'hui on va regarder un chaman de Jade, somme toute assez classique. Désolé, hein, je reviens du sport. Et oui, on peut jouer à Hearthstone et aussi faire du sport, c'est compatible. Donc, je disais un chaman classique, Mez. C'est une decklist qui a été proposée déjà, je crois, par Oliège, peut-être, d'un autre streamer, je ne sais plus. Bref. Du coup, on a quoi? On a deux éclairs, deux trocs, deux golems, deux griffes, deux portails, un seul totem, langue de feu. On a Bran évidemment, Maléfice, on en a deux, un totem de vague de mana pour piocher, toute la synergie Jade, donc avec les oracles qui permettent de faire de la gagner un peu de life, qui combattent d'ailleurs très bien avec Bran puisque ça rend 12 points de vie. Deux Drake Azur, on a le regard de Nacre, qui est assez fort hein, pour temporiser, et en plus qui fait du bien. On a Ayapat Noir, évidemment, pour Jade. Deux choses venues en bas et deux chefs de Jade. Le principe étant qu'on a aussi une évolution qui permet. Alors, qui se joue aussi bien en early qu'en late game en soi, enfin early mid, puisque ça permet quand même sur des créatures qui ont entre 3 et 4 de mana d'avoir quelque chose d'assez sympa. Ça peut très bien comboter, notamment, je sais pas moi, avec ce que vous popez sur le portail du Maestro, même si c'est que 1, on peut toujours avoir des trucs sympas. Ça combote très bien évidemment avec les totems de Jade, enfin les golems de Jade, pardon, qui montent au fur et à mesure. Évidemment, évitez de le faire sur des plays genre Ayapat Noir par exemple, ou je sais pas moi, ou même Regard de Nacre, puisque le but c'est quand même d'utiliser le râle d'agonie, hein, on est d'accord. Qu'est-ce qu'on a sinon d'important à dire sur ce député? Cette coiffure est une catastrophe. Catastrophe. Du coup, qu'est-ce que je voulais te dire? Ouais, du coup, par rapport à l'évolution, l'intérêt, petite dédicace d'ailleurs à Vince, à Vega, mon ami, qui m'a du coup conseillé ce deck pour le coup. Qui me disait à juste titre que l'intérêt de faire une évolution, c'est quand vous avez des créatures sur le board. De faire les différents trades en fin de compte, sans pour autant faire mourir vos créatures, et derrière de faire une évolution. Vous récupérez des créatures d'un point de mana supplémentaire, donc théoriquement plus grosses, plus fortes, et en plus de ça, elles ont toute leur vie, donc tout l'intérêt en fait du rip-up de l'évolution. Donc voilà, on va jouer ça, on va voir ce que ça donne. Je ne suis que rang 13, ouais, ce qui n'est pas fou en soi. Il est temps que je tryhard, mais beaucoup de choses à faire hein, dans cette vie, beaucoup de choses, les fêtes étant passées et sont encore à venir. Malheureusement, je ne pourrai pas être là pour le 1er janvier, enfin, la soirée du Nouvel An, car je travaille. Et oui, on a tous des métiers, un ou plusieurs dans mon cas. Alors, en termes de match-up, qu'est-ce qu'on veut garder? Le troc, c'est pas mal, évidemment, on va le garder T1 en espérant que bon, il a la pièce, donc il peut le givre ou ce genre de choses. Le totem langue de feu, je suis pas sûr que ce soit très fou en début de game, parce que même si on peut le mettre autour 2, s'il nous trade notre trog, c'est un tour de nul quoi. Donc je pense qu'on va tout simplement chercher un golem totémique, une griffe aussi. Et on n'a absolument rien, donc on espère tomber sur quelque chose de beaucoup plus sympa. Évidemment, on n'a rien, donc bon. On joue notre T1 quoi qu'il arrive, hein. On espère, on prie, même si bon, il y a de fortes chances quand même que. D'accord, pièce. Pas de pièce. Ici, on va totem. Et trade. Est-ce qu'on tape dessus? Je pense que c'est le play de taper dessus, parce que de toute façon, au tour 2, il va peut-être pouvoir faire quelque chose. Il va peut-être ping dessus. Ouais, c'est ça. En fait, c'était pas, ça servait à rien. C'était pas value dans l'idée, mais même si, ouais. Quand on mage en face à tout, ça pique les yeux. Hein. On a quand même ce qu'il faut ici en réponse. Là, on a absolument rien pour le coup. D'huile, ça nous sert à rien. De toute façon, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais taper dedans parce qu'il suffit qu'il nous le ping derrière et ça nous avantage à rien. C'est pas impossible qu'il vienne faire le trade de la 0-2, auquel cas on va temporiser un tour, c'est plutôt bien. Si on a un portail du Maelstrom, ça peut faire l'affaire.
Non, il va pas trade, il va le booster à mort. On a les deux maléfices. Donc là, j'ai presque envie de maléfice ici. J'ai presque envie de maléfice là, 3-6. Ouais, on va faire ça. Non, on va pas faire ça. Parce que ça nous met quand même vachement bas en PV. Derrière, on peut rien faire de fou si je fais ça. Je suis obligé de maléfice, je pense, ici. Pour la simple et bonne raison que derrière je pourrais pas taper avec mon arme en fait. Pourquoi faire ça juste fin de tour? J'aurais pu maléfice ici. Ça aurait peut-être même été plus safe. Maintenant on a les éclairs, on a ce genre de choses qui peuvent faire le taf. On a du heal. Maintenant il nous met vraiment vraiment mal. Il a une très très grosse sortie. Voilà la boule de feu en plus. Non il nous met vraiment très mal. Je pense qu'on va clairement la perdre. On va clairement la perdre là-dessus, c'est évident. C'est évident. On va jouer. Je peux même pas. Je suis obligé de me heal ici, je pense. Je vais mettre ça. Je pense pas de toute façon qu'on va. Je pense qu'on va la perdre. Clairement, il a une trop trop grosse sortie, nous pas assez malheureusement. C'était vraiment. Ça a été impossible. Aussi bien là, il a peut-être même le létal. Hein, clairement, c'est pas impossible. Ouais. Ici, ouais. Donc là, il faut évidemment à tout prix qu'on se heal à ce tour-ci. Ça nous fait 6. C'est quasiment perdu, je pense. Ouais, on va se heal ici. Faire ça. Et je pense que de toute façon, on l'a perdu. On l'a perdu. Si on la perd pas là, c'est un miracle. Même si bon, c'est complètement. C'est même pas envisageable de gagner là-dessus. Il a une trop trop grosse sortie, bien trop grosse. Une boule de feu, ça fait 6, 9, 10. Oh, il a une provocation, il a tout ce qu'il faut, quoi. C'est vraiment. Oh, la sortie pour nous, la sortie. Ah ouais, puis évidemment, c'est là que ça va. Hein, parce que oui, il n'y a pas de raison. Il face, ok. C'est ouais, une boule de feu derrière et c'est fini pour nous. Ici, je vais Jade. Là, je tape. Là, je tape. Là, je tape. Je pense qu'on a perdu une boule de feu, et à moins qu'il n'ait pas de boule de feu et qu'on réussisse à top deck le soin, mais derrière c'est même pas. C'est clairement nul, c'est clairement perdu. C'est clairement perdu. C'est le problème du mage, hein, c'est qu'il peut nous face tous les jours, et ça c'est tellement dur. Bon alors là, bon, s'il a pas de quoi nous finir, on n'a pas l'état d'ailleurs. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. On a 18, ouais non, il a voilà, le portail qui fait mal. Bon bah ça c'est voilà, la sortie bien trop importante, on n'a rien pu faire, hein, clairement, ça a été très compliqué, même si bon, on a tenu comme on a pu. On va faire une autre. Enfin, de toute façon, on est là pour jouer, clairement. Allons-y. Allons-y, allons-y. Dur, dur, dur. Non, il a eu vraiment, vraiment une grosse sortie. Alors, chasseur face, je pense. Encore une très mauvaise sortie. Très très mauvaise sortie. Là, je pense que c'est difficile d'avoir pire, quoi. Vraiment difficile d'avoir pire. Guerrier face. Ouais, ben ça va être. Je ne sais pas. Mais je pense que ouais. On va ici. Ouais, c'est un face sale. C'est un face sale. On va faire pièce
Où est-ce que je fais pièce? Je suis pas sûr. Il n'a pas Neneuil, ou alors il l'a dans la main. Est-ce que ça vaut le coup ici de... Je pense que ça vaut pas le coup de faire ça, parce que derrière, on pourra rien jouer, en fait. Donc on va faire fin de tour, c'est pas une grosse menace sur la 1-1. Bon, bien sûr, il nous met 2 points de dégâts, bon, ça se tient. Après, on a une main, on a du heal, on a l'éclair s'il y a vraiment grosse menace. Il va faire un mort-up, je pense, peut-être. D'accord. Voilà, c'est pas fou. Maintenant, je pense que l'idée, ça va être de faire ça. Et est-ce que je fais la pièce? Si je fais la pièce, je peux faire un éclair, mais j'ai deux surcharges derrière, je peux rien faire, en fait. Donc, je préfère à la limite taper ici, me prendre les 3 points de dégâts. À pouvoir faire l'éclair et le golem derrière si besoin. Ouais, là clairement c'est une grosse value. Bon, on prend cher, on prend cher, on prend cher. On prend très cher. Ici je vais faire. Déjà je vais taper ici. Je fais l'éclair. Pièce totem. Ça va être aussi compliqué, je pense. Parce qu'on n'a vraiment pas les sorties qu'il faut, quoi. On n'a vraiment pas les vraiment pas les sorties qu'il faut. Ça va être très compliqué derrière un jeu. Oh là là là. Il a tout, les gars. Tout. On n'a vraiment pas de chance sur les sorties aujourd'hui. Vraiment pas de chance sur les sorties. En plus, on peut rien jouer. On a absolument rien. On va jouer ça. De toute façon, c'est là, c'est. Je pense que. On n'a rien synergie de Jade quasiment, c'est ça va être très compliqué. Oh, il a l'arme et tout. Hop. Vraiment la totale, la complète. Il nous met 6 points de dégâts là. Il nous met à 11 quoi. Oh, il met tout! Tout! Il a tout! C'est un viol, un rape là. Ça c'est. Hop! Comme ça quoi. Là il va trade ici. Ok. Là il face derrière. Qu'est-ce qu'il fait? Non, il va face. Il va face. Oui, il a raison. Hein. Il a raison là. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux faire? Oh! Oh, tant qu'à faire. Je peux même pas, je suis sûr, de tenir un tour de plus en fait. Oh là 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 là. Oh l'orgie. Oh l'orgie. Qu'est-ce que. Je pense que. Allez, on prie pour avoir un taunt. On a. Ouh, ça c'est pas si mal, dis donc. Pour le coup. Je sais pas si ça va nous sauver, mais. Bon, ça c'est pas cool, mais. Ça va être relativement compliqué, je pense. Même très compliqué. Là, on n'a pas le choix, c'est ça tous les jours. Il faut absolument qu'on fasse le trade, quoi qu'il arrive. Si on arrive à tenir, il faudrait qu'on ait le deuxième soin, ce serait magnifique. Si on a le deuxième soin, que je peux gérer mon Bran avec, oh, ce serait bon. Très bon. On survit, on survit. Je pense qu'ici, on va faire ça. On va faire ça.
Ici, le but, ça va être quoi? Je pense qu'il faut que je trade avec ça parce que ça va lui rendre de la life quoi qu'il arrive. Donc autant que ça lui rende le moins possible. Là, on tape, on tape. L'idée, c'est d'essayer d'avoir. Si on peut avoir lui, le prochain tour, c'est tellement bon. On peut pas avoir l'étal là-dessus. Je pense pas. Ok, là je gagne. Il nous faut un taunt. Voilà! C'est ça qu'on veut voir. On a tenu bon. On a tenu bon. On va en faire une autre pour voir. Donc deck assez quand même fort. Bon, on a eu quand même pas mal de la chatte, hein, on va pas se mentir. On a eu de la grosse chatte sur les vols quand même. Hein. Là, il nous fallait un taunt. On a eu en plus un taunt de type pornographique, qualitatif. Magnifique quand même. Donc voilà. Donc un bon petit deck pour le coup, on va voir. Hein. On va essayer de grimper, grimper, grimper. Quelle heure il se fait là? 21h40, on est bien, on est pas capable. Bon. Alors contre voleur chaud un peu. Alors là on relance tout. Sauf bien sûr la griffe, hein. Celle-là on la garde. On veut essayer toujours d'avoir le trog en début de game. Voilà, c'est super. Une bonne main en soi. On va faire trog d'abord. S'il nous la gère pas, ce serait génial. On a la pièce. Ça peut être assez cool, je pense. On peut, s'il a pas. S'il a pas l'Eviscerate derrière, donc il peut pas. Ok. Ok. Bon, c'est pas trop grave. Il a utilisé une attaque sournoise là-dessus. Donc là, on met le golem. On met le golem parce que ça lui ferait. Il a 3, ça lui fait utiliser quand même pas mal de cartes pour gérer ça. On a la pièce derrière si besoin. Si... Peut-être même qu'on va faire ça derrière. Ça ferait un bon body. Oh non, je serai qu'à 3. Je serai qu'à 3. Je serai qu'à 3. Alors. Tellement d'options. Ok, une attaque sournoise. Deuxième attaque sournoise. C'est bien pour nous l'attaque sournoise. Je pense. Les couteaux. Pas de couteau, d'accord. Ça, c'est intéressant. Est-ce qu'on a envie de totem? Non, je pense qu'il faut qu'on accélère ici. Parce qu'il a, il a peut-être les couteaux derrière. Ce qui serait pas mal. Derrière, nous, on a toujours. On peut pièce esprit de jade par exemple. Ce qui peut être pas mal. Donc là il tape dedans. D'accord. C'est assez fou de faire ça, je trouve. Enfin, quoi qu'il prend le dégât, quoi qu'il arrive, mais. Ouais, je pense qu'on va ici. Ouais. On pièce. Jade. On tape. Ça nous fait une 2-2 sur le board. C'est bien. On va garder l'arme si jamais il pose des petites créatures un peu chiantes. Je fais souffrir mon ordi, j'ai augmenté les graphismes et tout. Ouais. J'ai augmenté les graphismes, mais en qualité élevée. Plus pour le record derrière, ça pique. Ça pique. Ah oui! Ah oui, d'accord. Monsieur, la maison recule devant rien, quoi. Ah ouais, j'allais dire. J'allais dire, si tu face là-dessus, mon gars, t'es courageux. Hein. Ok, ça me va. Je pense qu'on va Drake, ne serait-ce que pour la pioche en fait. On a l'éclair qui peut faire du bien. Et puis là, il peut nous le gérer, je pense. Avec un niveau. D'accord. Donc le commissaire. La prep. Camouflage peut-être. Ouais, camouflage. Ok. On va faire totem. Ça. Face.
Alors là, ce qu'on aimerait avoir, clairement, c'est l'évolution. Parce qu'on a quand même des créatures qui sont assez sympas. Une A6, une A5, une A2. Peut-être même faire un... Ouais. Bon, les couteaux, ok, ils piochent. Pioche deux fois même. Il va jouer le trade, peut-être, Eviscerate. Alors, on a 4 points de dégâts s'il nous tue pas. Si nous tue pas notre Drake, on a le létal. Il faut toujours qu'il top des cartes de ouf. C'est excessivement énervant. Mais ça n'empêche pas que. S'il tue pas mon Drake, j'ai le létal. Parce que je ferai derrière portail. Je trade là, je trade avec mon arme. 4. D'accord. Donc il prend le jeu, d'accord. Renvoi. Sympa le mec. C'est énervant ça. Là clairement on va jouer ça et portail. Ça a trop de value en fait. Ça a beaucoup trop de value parce qu'ici, s'il me gère pas mon Drake, au prochain tour j'ai l'étal encore. Là je peux invoquer un peu une 3-3, ça peut être fou. Qu'est-ce qu'il va faire? D'accord, une attaque d'ombre. Ça me va parce que j'ai le regard de Nacre ici qui peut être assez fort. Et qui peut le forcer surtout à gérer, en fait. Qu'est-ce que j'ai? Est-ce que j'ai quelque chose? Ouais, je peux jouer ça. Et je vais juste totem, en fait. Je vais juste totem. Parce que j'ai pas envie qu'il... Enfin, quoi que... 7 de dégâts. Il peut pas prendre le risque d'attaquer, c'est clair et net. Ça, il peut pas. Eviscerate. Ouais, c'était normal. Mais c'est bien parce que c'est ce qu'on veut en fait. On veut le forcer à faire du trade. Là, il va trade ici. Moi, derrière. Je peux peut-être envisager des solutions. Je pense que je vais totem ici. Ouais, c'est super. Je vais gérer ça. Je peux clairement pas le laisser. Donc on va poser le troc d'abord. Je vais gérer ça. Je vais poser ça. Et là, il va commencer à arriver en PLS, quoi, parce que, ben, parce que ça va devenir délicat. Il n'a pas d'AOE. Il va falloir qu'il gère les tours. Donc, le commissaire, le deuxième qui arrive. Donc, j'ai bien fait finalement de pas maléfice. La pièce contrefaite, d'accord. Si un Van Cleef, par exemple, ça peut être bien pour moi. Parce que je peux le maléfice. Mais là, dans tous les cas, il faut absolument qu'il gère tout parce qu'il y a le létal sur le board. Donc, là, clairement, ça va être compliqué sinon. Qu'est-ce qu'il fait une viscère là-dessus, d'accord. En fait, je pense que il se doute pas que j'ai un totem langue de feu. Et que derrière. J'ai pas de létal pour l'instant. Je pense qu'il va sur un, non? Ok. Donc là, clairement, hein, je pense qu'il... Prends troll. Voilà. Donc on a vu la grosse synergie. Donc c'est un deck qui marche plutôt bien.
On a les bonnes réponses pour le contrôle. On voit que, bon, après, sur tout ce qui est mage qui peuvent taper face, des choses comme ça devient compliqué vraiment. Parce qu'en plus, bon, là, on l'a vu, hein, il a une sortie porno, le mage en premier. Ça a été vraiment dur, dur, dur. Là, par contre, je pense que, bon, je suis qu'au niveau 13, hein, c'est pas les gros tryharders, évidemment. Mais voilà, on arrive à quelque chose de plutôt sympa, je pense. Donc voilà. La decklist évidemment est sur le côté, donc n'hésitez pas à la tester, à la jouer et à mettre un petit pouce bleu en haut, en bas de la vidéo. Évidemment, abonnez-vous à la chaîne pour voir les autres vidéos que nous avons faites, les autres decks. Et puis, on se voit très vite. Allez, bisous les amis. Ciao, ciao. Thank you.